Tiens, bonsoir. Je vous attendais. Rien n'est plus percutant qu'une histoire contée au coin du feu, perdue au fin fond de la forêt la plus obscure. Dites-moi, vous avez déjà fait du camping ? Moi, oui. Une fois. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Tout a commencé il y a 2 ans. Les vacances d'été venaient de poindre et j'étais à peu près sûre que j'allais vivre la plus belle aventure de toute ma... Les gens qui se perdent dans la forêt, une véritable plaie. Hein ? On fait moins le malin maintenant ! Où est-ce que j'en étais ? Ah oui, j'ai fait du camping et ça s'est passé comme ça. Alors, bonjour, bonsoir, c'est Caral et pour célébrer les vacances d'été, rien de tel qu'un petit aller-retour dans le camping le plus populaire de cette décennie. On vient de se lancer sur Baldi 2 et déjà, à peine tu commences, c'est déjà l'agression visuelle. Admirez cette bouillie de pixels, c'est trop beau. C'est du vomi graphique. Burk. Bon, vous l'avez compris, dans cet opus, hors de question de rester entre les murs de l'école, let's go to the voyage. Et c'est parti pour l'aventure. Fais coucou. Ah bah lui, il est prêt pour l'aventure. Hein. Il a son petit sac à dos et tout. Et il a volé un bus. Ok. Le bus de Joe. Joe qui n'a pas été respecté, visiblement. Mais je me demande qui était ce Joe. Hey. Oh. Je m'appelle Joe et j'ai perdu mon bus. Peu importe. On y va. Oh les cœurs. Go camping. Avec plus d'entrain, s'il te plaît. C'est une sortie scolaire de toute beauté, avec moult amusement à la clé. Vous croyez que les autres seront là aussi? Genre l'infirmière chaussette, pour soigner les petits bobos? Je suis l'infirmière faussette. Fais-moi l'infirmière faussette. Yeah, damn it. Ton bus, c'est un dessin. Les roues, elles sont reliées à rien. Pas sûr que ça roule ton truc, hein. On va mourir avant d'arriver. Let's go camping. Mais oui, let's go camping. Yeah, let's go. Alright, all set. I'll go set up the bear trap. Ok. Elle est où la transition? I want you to keep the fire going. Y'a pas de transition. Tu passes d'un endroit à un autre. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et moi, je voulais voir le voyage en bus. Ça promettait du lourd. Les jolies colonies de vacances. Merci maman, merci papa. Alors, effectivement, oui, c'est un camping. On le voit à son feu de camp super bien fait, qui n'est pas du tout un gribouillage, et à sa forêt complètement rassurante, qui n'est pas du tout glauque. Ah oui, eh ouais. Mais... pourquoi on est tout seul, en fait? Ils sont où, les autres enfants? Enfants! Pourquoi c'est marqué pas Suède? Parce qu'on n'est pas sûr de rentrer? Il y a zéro motivation dans la création de ce jeu, les gens. No coherence! Non, pas Suède, ça veut dire pause, hein, du coup, si vous aviez pas compris. C'est juste que le développeur, il s'en bat les miches. Go out into the woods and collect firewood. Qu'est-ce que je dois faire? Alors pendant que moi, je vais aller disposer des pièges à ours dans la forêt, toi, tu vas alimenter le feu avec du petit bois trouvé dans la forêt! Attends voir, l'autre avec sa bouche en forme de fion a dit quoi? Toi, tu vas alimenter le feu! Hein? Mais non. Il veut que j'aille faire pouet pouet toute seule dans la forêt alors qu'il y a des ours? Je suis quoi? Oui, il a disparu. Je vais pas chercher d'explication. Ta gueule, c'est magique! Ouais, faut que je ramasse des baguettes dans le noir. Toute sale. Comment tu veux que je fasse ça? J'ai pas de lampe de poche, moi je... Mais le feu, il a pas besoin d'être alimenté. Il est très beau ce feu. Regardez comme il est beau ce feu. Oh, du bois. Du bois qui flotte. C'est ça, non? Que je dois prendre. Pourquoi ça vole? Ça, c'est pas du bois ordinaire, ça. C'est magique. Mais oui, c'est si logique. Pourquoi? J'ai fait quoi? Il est violent de ouf! Si toi pas l'amasser assez vite, toi obtenir correction! La fessée, c'est pas très légal, professeur. Regardez-moi cette tête! Oh! C'est pas la tronche d'un tueur en série, ça? Complètement. Normalement, pour une sortie scolaire, il faut un accord parental. Et mes parents, ils sont pas fous, ils l'auraient jamais donné, ils sont bien trop responsables. Maman? Oui?
Il y a une sortie scolaire de prévu avec Monsieur Baldi. Sauf que c'est en pleine forêt, en pleine nuit, et je serai tout seul, il n'y aura pas d'autres enfants. Maman, je peux y aller. Chérie, ce soir on va niquer. Non, m'en fous, j'y retourne pas, me casse. Let's go camping. Je préfère me suicider. J'ai enfin découvert ce qu'il y a de l'autre côté. Au revoir, monde cruel. Le monde n'est qu'un mensonge. Les platistes avaient raison. La Terre est plate. Et on repassera sur la forme des nuages. Hein. Je vous avais dit que le développeur, il s'en battait les miches. Si vous vous demandiez comment était faite la pluie... Hein. Allez les enfants, on vise le 20 sur 20. Il veut du bois, je lui ramener la forêt. Mais en toute sécurité, bien sûr. Une forêt, c'est dangereux. Il y a des loups. Et des lapins adultes. Du petit bois, du petit bois. Voilà, et hop dans le feu. C'est ça que tu veux. Wow. Le feu, il vient vraiment de faire... Waouh. Wow. Mais c'est le type du même. Waouh. Y'a rien qui va, c'est complètement barré. Oh, un piège à ours. Attention à nos petits potons. Un pansement ne serait pas suffisant. Non mais je vous avoue, ce qui m'effraie le plus actuellement, c'est pas les ours, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, on a plein de points. On en a 10 000. 10 000 sur 20. Ça fait beaucoup. Plus que... plein. Alors le problème c'est que, voilà, plus tu ramasses de bois, plus t'es lourd, donc plus t'es lent. Donc plus tu es susceptible de te faire tuer par Baldi. Mais plus tu ramasses de bois, plus tu dois t'éloigner du camp, plus tu mets de temps à... Mais quelle est cette sorcellerie? C'est un petit bonhomme qui vient de l'espace. Sûrement une espèce hostile. Je n'arrive pas à déterminer le concept de son visage. Il a deux yeux, une moustache. C'est un chat. Les chats viennent de l'espace. Et il a un rhume. D'où le feu. Il se passe des choses étranges ici. Oh, shit. Mais non, mais j'en ai marre. Je me fais punir pour rien, j'apprécie moyen. Il va y avoir de la mutinerie dans l'air. Attention, attention. Je suis très sérieuse. Alors moi, je fais quoi? Moi, j'alimente le feu. Moi, je bosse. Et lui, il fait quoi? Il est où? Il fait quoi? Il fait un vlog dans la forêt? Un podcast? Alors ici, Baldi, en direct de la forêt hantée. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a plusieurs types d'élèves. Tout d'abord, il y a les absents. Et il y a ceux qui viennent tout équipés en sortie scolaire et qui ne reverront jamais, jamais la lumière du jour. Jamais la lumière du jour. Kidnapper des enfants, c'est sa passion. Et moi, j'adore ramasser des branches. Je suis venue camper que pour ça, d'ailleurs. Il y a des gens qui ont des caravanes tout équipées et tout. C'est has-been. Non, mais faut vivre à la dure, dans la nature. Faire pipi sur des buissons et t'essuyer avec des feuilles. Et ramener du bois au risque de te faire prendre la fessée par ton prof. C'est ça, la vraie vie. Ou la pédophilie. Y'a un mec qui se planque. Y'a quelqu'un? Je te vois, je sais qu'il y a quelqu'un. Psst, psst, psst. Tu veux pas m'aider? Psst. Ramasser du bois, je te donnerai de la YouTube monnaie. Il veut pas. Je suis sûre c'est un enfant. C'est le dernier gosse que Baldi a amené faire du camping et ça fait 2 ans qu'il est perdu dans la forêt. Il s'appelait Enzo. C'était un petit garçon joyeux et depuis, bah il vit en ermite et il communique seulement avec les arbres. Je suis une fougère. Je suis le prochain. Oh non! Oh non, le feu! J'ai oublié le feu. Baldi va me gronder. Je la sonne trop mal, cette histoire. Ah! Non! Je vais lui peler la tête comme une orange et l'écraser pour faire du jus. Oui, je vais très bien. Je cours, je vais courir. On va courir. Je cours tout droit jusqu'au matin. File comme le vent, Pégase! Ne t'arrête pas! Il peut y avoir une fin à cette forêt. Putain, le piège! Eh oui, il y a des pièges. Tu sais qui les a posés, hein? Ah, putain, ça, c'est des pièges à la con! Détection de petits bobos. L'infirmière fauvette à la rescousse. Non. Alerte, alerte. Non. T'es sérieuse là? Je m'en balève, je ramasse rien. Si tu cours tout droit, sans t'arrêter, à un moment donné, tu vas tomber sur quelque chose. C'est la loi de la physique, mon gars. Tu vas tomber sur la civilisation, un policier, l'inspecteur Gadget, quelqu'un qui va m'aider, ou un mur. Un mur de feuilles. Un mur. Un mur dans la jungle.
Why not? C'est fort fâcheux. Hello? Il y a quelqu'un par ici? Qui ne soit pas Baldi? Mais quoi? Mais quoi? D'où? D'où? Tu veux que je ramasse du bois? Ta salle de classe, ça va devenir une Syrie, mon gars! Tu vas ouvrir un Ikea! Allez, 4 sticks, 4! Waouh! Si avec ça, j'ai pas mon brevet, je pète un câble. Allez, ça continue! Il reste 100 secondes de survie, on peut le faire, non? Il suffit d'être stratégique. Voilà. On n'est pas sur du gameplay palpitant. Et ça, là-bas, je dois présumer que c'est une lune. Dans les deux sens du terme. Normalement, là, c'est bon. 3, 2, 1. Yes! Yes! En fait, c'était facile, dit-elle d'un ton assuré, sans même se douter que le pire était à venir. Si un jour il vous arrive de faire du camping dans les bois, dites-vous que les ours, les loups et les lapins sont le moindre de vos soucis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait et de laisser un pouce en l'air. Prenez soin de votre ogne et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Bisous !